voilà, on se retrouve au Val, donc la deuxième manche du challenge de l'Al. Alors on espère que ça va aller, donc on essaie de retourner sur la course. Allez, à tantôt. Et voilà, on vient de prendre le départ, nous sommes dans la première montée de la course. Et vous voyez, le coup qu'il y a. Et on verra bien ici, on espère qu'on va vite se retrouver dans les chemins de terre. Et voilà, on vient de passer le deuxième kilomètre. Le peloton s'est un peu tiré, mais ça fait vraiment du bien de retrouver un rythme de course normal, c'est-à-dire avec du monde, du public. C'est vraiment chaleureux. Pour vous dire un peu, c'est la deuxième course qu'on fait cette année avec du public. Et ici, il y a quand même pas mal de personnes rien que pour faire le 15 km de Boswell. Et voilà, on vient de passer le 4e kilomètre. Donc il nous en reste encore 10 et demi avant d'arriver à la fin. On vient de faire 2 BLP 40. On va bien qu'on ne court plus aussi souvent. Et voilà, on vient de passer le premier ravito qui se situait 4,80. Le prochain est au 10. Alors nous sommes sur du plat. Avant de remonter. Je ne dis rien, mais je pense que ça vous fait aussi plaisir que moi de voir autant de gens en course. Et derrière nous, Catherine, tu vois, Joe. On est au 7 km et demi, à moitié de la course. Les jambes ça va, j'ai un peu perdu Catherine, elle est un peu derrière, elle va arriver après. Sinon, au niveau réussite, les gens sont là, le beau temps est là. Bon, il manque un peu de soleil, il fait un peu frisquet à certains endroits. Mais sinon, pour l'instant c'est une course réussie. Nous voici dans le
centre de Bruxelles, donc nous passons juste à côté de la salle où nous avons démarré et nous attaquer la difficulté de la journée. C'est à côté de l'église. Vous verrez, elle est belle et longue. Alors voilà, on vient de passer l'église, mais la montée continue. Et voilà, nous sommes au 9e, 9,5. On vient de passer le ravito. Ah non, la montée de l'église est très longue, surtout qu'après elle continue jusqu'au cimetière. Bon, après, on se retrouve sur le dessus, donc il n'y a plus vraiment de difficultés. Nous sommes venus de passer l'heure de course. Ouais, c'est un temps honorable. Ça se compte plus grand chose. Excellent de l'âle. Et voilà. On ouvre la chaussée. On vient de passer le 12e kilomètre. On va essayer de remonter jusqu'à la ferme. Et puis après nous redescendre dans le centre de Bouzeval pour le final. Alors pour vous dire, il reste 2,5 km avant d'arriver. Nous sommes dans la dernière ligne droite, il nous reste 200 mètres avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Alors, on fera le petit compte rendu de la course, il n'y a pas besoin en fait. Comme on l'a déjà fait en off, si vous regardez les autres vidéos. Par contre, Catherine vous fera un petit débriefing, car elle a acheté une nouvelle paire de chaussures, des Adidas T-Rex et une jump shirt. Waouh, elle vous dira ce qu'elle en pense. Comme elle a pu essayer aujourd'hui sur la course. Voilà, nous sommes à 300 mètres de ligne d'arrivée, donc je vais vous faire quand même profiter du final avec les gens. Bravo Valérie, Jérôme, Frédéric, c'est fait, vous avez terminé. Alors les trois dames ici, c'est Christelle, c'est Sandra, c'est Mélanie, elles viennent de terminer. Et maintenant c'est Claudia. C'est Claudia qui a terminé. Oh là, mais il y a toutes les dames là. Hey, Catherine, Nancy, Florence. Une figure du Delal. Monsieur Quinze-Georges, ce monsieur a 80 ans, tenez-vous bien, il court toujours. Bravo les filles, levez les bras, vous pouvez. Bravo, bravo Laurence, Rachida. Bravo Cathy, Fabienne, Théodora. Et voilà, bravo. Nous sommes arrivés. Terminé. Ça fait vraiment du bien de voir un peu du monde sur les courses, avec des supporters et beaucoup de courage. Ça y est Gaël, terminé. Allez. Ça a été? À la prochaine. Respire.